aujourd'hui, nouveau test sur le jeu UEFA Challenge, sorti en 2001, édité par Infogrames et sorti sur PlayStation 1 ou PS1, ça dépend comment on l'appelle. Un jeu mettant en scène à la fois... C'est en fait, ce jeu, c'était un jeu de foot, d'accord, pour commencer, qui est un mélange et qui puisse un croisement entre une compétition de Champions League et une compétition de... comment dirais-je, ah oui, d'une compétition de foot typiquement européenne, à savoir l'Euro. Bon, alors attendez, déjà pour commencer, on va faire... Ah, c'est dommage que je ne puisse pas, comment dirais-je, mettre enfin, comment dirais-je, sur commande automatique, parce que franchement, j'aurais bien aimé. Hein. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, écoutez, la dernière fois qu'on a testé ce jeu, si je me souviens bien, c'était le match entre le Real Madrid et le FC Porto. Hein. Auquel les, je me suis pris à ce qu'on peut appeler mais une tannée monumentale, et je m'en excuse encore. Donc, attendez, étant donné qu'on est un petit peu en pleine ambiance typiquement Champions League, on va prendre l'équipe des Danois de Brøndby, opposée. Bah, on va prendre une petite équipe italienne, étant donné qu'on a quasiment vu aucune pour l'instant. Alors, attendez, nous avons Bordeaux. Ouais, oui, alors, les divisions sont classées par. Par continent, l'Europe de l'Ouest, à savoir là, nous avons les équipes françaises et italiennes, Juventus, Lens, Lyon. Ah tiens, pourquoi pas le Milan AC? Oui tiens, bonne idée, le Milan AC, ouais, le Milan AC, hein. Excellente équipe, le Milan AC, en plus ça tombe très bien. On a un petit peu perdu là, donc raison de plus, voilà, le moi, c'est pas... Voilà, c'est parti entre les Danois de Brøndby et les Italiens du Milan AC, ou l'AC Milan, ça dépend comment on l'appelle. Bon, attendez, on va laisser passer le chargement, et après on commencera par se lancer dans le match. Patience, un peu de patience. Donc c'est parti, donc là ce que vous voyez donc c'est la composition de l'équipe danoise de Brøndby. Alors nous avons Scholl, Skalskis, des gars que je connais un peu pas très bien, mais bon. Mais n'empêche que c'est quand même une équipe assez convaincante, assez classe, assez bien. Et donc voici l'équipe du Milan AC, avec ses anciennes. C'est dans une star. Alors nous avons Coco, Leonardo, Bierhoff, Shevchenko, Maldini, Helweg, Roque Junior. Oh, mais il y avait vraiment il y a du bon monde, mesdames et messieurs, il y a du bon monde. Et donc c'est parti,
Bon, donc, je suis donc l'équipe danoise de Brøndby qui joue avec leurs couleurs traditionnelles, à savoir le jaune et le bleu, face à eux l'équipe du Milan AC qui joue avec leurs couleurs traditionnelles, à savoir le rouge et noir, et qui plus est rouge à rayures verticales noires. Voilà. Et sans plus attendre, on va s'intéresser tout de suite au match. Franchement, bon d'accord, il... Bon, ça va, franchement, on l'a vraiment mieux. On l'a vraiment vu. Allez, c'est parti. Donc, je rappelle, je suis donc les Danois de Brøndby. C'est parti. Pour l'instant, c'est... Attention, parce que là, pour l'instant, là, ce sont les Italiens qui ont chippé le ballon du côté danois. On repasse de Giunti. Ah, mince, j'ai essayé de... Attends, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ballon intercepté par Jespersen. Du clan danois. Allez, c'est reparti. Et bien donc, toujours 0-0 entre les Danois de Brøndby et les Italiens de l'AC Milan. Oh, attention, 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 Shevchenko, Shevchenko qui est en duel avec Deux Slik, attention, attention, non, non, attention, 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 côté italien. Leonardo. Leonardo, international brésilien. Je crois qu'il y a deux Brésiliens. Je crois qu'il y a trois Brésiliens qui jouent dans cette équipe. Je crois qu'il y avait. Si on compte Coco, si on compte. Attention, oui. Est-ce que. Oui, but! Ben justement! Le voilà le but du Brésilien Leonardo. Ah là là, et la défense de Bron qui est complètement dépassée. Mais complètement dépassée. Donc, ce qui fait au total de 2-0 donc pour le Milan AC. On va quand même voir ça au ralenti. Une fois de plus, pas mal de côté de la défense. Alors, le ralenti. Voilà, là, il n'y a pas photo. Il y a Leonardo. Ce joueur qui vient tout juste de marquer a vraiment pris un sacré dessus. Enfin, pris un sacré dessus. Et la défense de Brøndby qui est complètement mais dépassée, tellement elle n'arrive plus du tout à gérer le problème. Et donc le gardien de Brøndby obligé de s'incliner. Et ce qui fait au total de 2 donc. Pour les Italiens de l'AC Milan. Qui a marqué le premier but de Milan, attention! Ouh, joli arrêt du gardien! Et le gardien de Brøndby qui se laissera pas tromper encore une fois. Et c'est la fin donc de cette première mi-temps. Bon, bah, c'était vraiment une première fois très dynamique. Bah, très stylé, on va pas se cacher franchement entre des Italiens du Milan AC qui, bon, après un petit moment timide, ont réussi, comment dirais-je, à ouvrir le score. Je dis que les Danois de Brøndby sont un petit peu dépassés, mais bon, espérons que nous verrons un meilleur jeu de leur part. En tout cas, le Milan AC mène 2-0 face aux Danois de Brøndby. Alors, le premier, c'est celui de Shevchenko, et le deuxième, c'est Leonardo. Et sans plus attendre, on va s'intéresser tout de suite à la deuxième mi-temps de ce match. Alors qu'il y a un remplacement du côté milanais, c'est Bierhoff qui est remplacé par José Mari. Bon, pas la peine de, comment dirais-je, de le voir entrer. Allez,
C'est parti donc. Deuxième mi-temps. Je rappelle le score. Les Italiens du bilan AC mènent 2 à 0 face aux Danois de Brøndby. Espérons que nous verrons un meilleur jeu de la part des comment dirais-je, des Danone Bombi. Attention, José Marie, José Marie. Oui, il va marquer, je suis sûr qu'il va marquer. Non, il n'a pas marqué. Ah, attendez, attendez, deuxième chance, deuxième chance, deuxième chance, deuxième chance. Et but, et troisième but pour le Milan AC. But signé José Marie. Ce qui fait un total de 3-0 donc pour le Milan AC. Celui qui a remplacé Bierhoff tout à l'heure. Encore une voir. Parce que mine de rien, le thé était pas trop mal. Donc voilà, donc José Marie qui a complètement mais. Trompé à la défense danoise. Il a fait deux tentatives, mais pour surprendre Kral, le gardien de Brøndby. Le gardien qui malencontreusement n'a pas eu assez de réflexes pour stopper ce ballon. Et ce qui permet à l'équipe du Milan AC de mener au score. Et les Milanais, Leonardo, oui, qui passe, il passe, il passe, il passe, il passe. Il va marquer, je suis sûr qu'il va marquer. Et oui, il marque. Et nouveau but. Nouveau but donc pour les Italiens du Milan AC. Et ce qui fait au total bon. Et c'est son deuxième but. Bon, attends, quand même voir ce que ça demande, s'il vous plaît. Alors. Il a bien capté le ballon, Leonardo. À la défense quasiment, mais la défense de Brøndby est complètement dépassée. Et donc, ce qui fait au total de 4 et 0 donc pour les Danois de Brøndby. C'est parti pour un autre engagement. Allez, on continue. C'est bon, c'est bon. Ballon capté par Nick Sanen du côté de Brøndby. Allez, Danois qui vont tout donner pour, pour ces dernières minutes. Grac. Grac. Sous la punique! Est-ce que non? Oh, dommage! Excusez-moi, j'ai vraiment ce qu'on peut appeler mais tiré sous la panique. En tout cas, une autre occasion, bon, un petit peu manquée pour les Danois, mais bon, qu'importe. Je vais essayer de voir si je peux vous proposer encore d'autres matchs. Avec des clubs européens sur ce jeu, puis après on essaiera d'aller tester les nations.
Paxen. Crac. Bon, attendez, je vais essayer de voir si je peux réussir à. Ah mince, ah, j'ai encore perdu le ballon, c'est dommage. Mais c'est dommage. 87e minute. Et le Milan AC mène toujours 5 à 0 face aux Danois de Brøndby. José Mari. Leonardo. Et attention, attention, est-ce que. Oh, sortie de but! Oh, j'ai cru qu'il allait. Il allait entrer celui-là. J'ai cru qu'il allait entrer. Ah, c'est vraiment ce qu'on peut appeler la débâcle du côté danois. Un petit effort, ça va bientôt se terminer. Voilà, Nick Sanen qui passe à Skarulskis. Oui. Jespersen. Allez, dernière occasion pour les Danois de Brøndby d'espérer de marquer un petit but pour espérer sauver un petit peu l'honneur, si possible. Et c'est la fin du match. Et ben, magnifique victoire donc des Italiens du Milan AC qui l'emportent une victoire, mais haut la main. Brøndby qui ont mal pu faire. Mais bon, un petit peu, étant donné que ce match était, mais. Un petit quasi beaucoup trop difficile pour eux. Au moins, ils ont tout donné dans ce match. En tout cas, belle victoire donc. Enfin, GG aux Danois, comment dirais-je, d'avoir tout donné. Et bravo donc aux Italiens du Milan AC d'avoir quasiment, mais bien géré le coup. Bah, d'accord, c'était loin d'être évident. Mais bon, au moins, ils ont mérité la victoire. Non, je rappelle le score. Victoire donc des Italiens du Milan AC qui l'emportent face aux Danois de Brøndby sur le score impressionnant de 5 buts à 0. Eh ben, c'était vraiment un match assez bien. C'est bon, mais d'accord, j'ai perdu. Mais bon, au moins, j'aurais pas perdu les connards. Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.